saturé à ses bords, hein. Pas comme le Kimeno, Kimeno c'est en haut. Stop. Voilà. La jambe est avancée. D'accord? Donc, est-ce qu'elle fait atomie avec le talon sur le pied? Mais on ne le fait pas. Hein. Voilà. Et en même temps, les cinq doigts serrés. Hein, pas ça. Hein. Hop, voilà. En écartant. Maintenant, saisie du poignet. Et entourez le coude, voilà, et déséquilibrez et jetez. Et chute avant, gauche. Attention à venir. Hein. La clé. Voilà. La clé, c'est avec l'avant-bras, c'est ici. Et là, il a la clé. Là, il n'a pas la clé. Là, il n'a pas la clé. Et c'est au lieu. Et là, c'est ici. Mais c'est avec l'avant-bras. Là, il a rien. Là, il a rien. Là, il n'y a rien. OK? Donc, quand je suis ici, hop, voilà. Et s'il monte, c'est qu'il a un problème. Hein? Hein? Voilà. Il est sur la pointe des pieds, il torse. Après, je recule la jambe droite. Là, je contrôle encore. Vous avez vu? Je ne l'ai pas lâché. Je ne fais pas ça. Là, s'il veut, il s'en va, il n'a rien. Par contre, ici, toujours contrôle, et là. Et c'est pour ça que j'avance, et après, je ramène la gauche. Je le jette quand j'avance la droite, la gauche. Pas la droite. Quand il vient. Ah voilà, il saisit, voilà, ici. Allez, atterrit, relâche, voilà. Mais, je vais t'en mettre un, tu vas voir, ça va te relâcher. Maintenant, saisis. Je peux tourner le poignet dans le sens-là ou dans l'autre sens, c'est pas grave. Pivot, complètement. Hop, voilà, la main. On peut faire aussi comme ça, mais l'important, c'est d'avoir le coude. Et là, il l'a quand même. Là. Et tout ça aussi, il l'a. Hein? On peut faire comme ça, mais bon. Voilà. Ici, maintenant, recule. Là, il a avancé sa jambe. Et après, jeter.